been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes colos terminés du mois de juillet et de août. On est le 23 août à l'heure où je filme, donc je pense que je finirai quand même mon encours là que j'ai, mais bon, je préfère la filmer maintenant parce que la semaine prochaine c'est reprise de l'école, tout ça. Je vais peut-être être un peu dans le jus, on sait jamais. Mais puis j'ai d'autres vidéos à tourner, donc je préfère vous la tourner maintenant. Puis de toute façon, j'ai quand même pas mal de colos à vous montrer. La vidéo risque d'être déjà un peu longue, vu qu'il y a deux mois regroupés. Je les ai pas comptés, hein, et j'ai pas envie. Donc on y va. Ils sont par ordre, dans l'ordre où je les ai fait, en fait, fini, je sais pas trop. Enfin, c'est dans l'ordre de mon carnet, en fait. Voilà. Donc celui-ci, je vous l'avais montré, non, je ne l'avais pas encore tout à fait fini, je ne sais plus trop, lors de la dernière vidéo, la vidéo de juin. Je l'ai commencé le 29 juin et je l'ai terminé le 3 juillet, celui-ci. Donc c'est le pop manga Mermaid and Oversea Creature de Camilla Derrico. Je l'ai enfin entamé, donc avec cette double page, où j'ai utilisé l'aquarelle Artist Raw, mon Jelly Roll en taille 10 blanc, les Derwent Intense, le Glossy Accent pour les bubules, et j'ai pas noté ce que j'ai utilisé pour les cheveux, hein, voilà. Je sais que pour la peau c'est du Lumi, mais sinon voilà, je sais. Ses cheveux, je sais pas ce que j'ai utilisé. Et là, on a de... C'est du Paul Rubens, ça. Je pense. Enfin, vous voyez, je note pas tout. Hein. Oui, les bulles... Je sais pas si vous allez le voir. Avec le Glossy Accent. Voilà. Et bon, comme d'hab, ce livre... Enfin, c'est... L'édition est pas... Enfin, ça gondole, le papier, c'est pas... Ça bouloche. Je pense que vous allez voir que le papier il est tout bouloché. Ouais, vous voyez. Tout est bouloché. À peine je mouille qu'il est déjà plein de. Mais bon, ça fait un effet. Hein. Contente de l'avoir fait cette page. Enfin, d'avoir entamé ce livre. Donc voilà, une double page de fête. Ah, j'ai mis du Glossy Accent dans ses yeux aussi. Oui, je pense que c'est du Paul Rubens, ça. Je pense. Je sais pas trop ce que j'aurais pu mettre d'autre. Voilà pour celle-ci. Ensuite, mon duo avec Princesse, donc dans le Forest Kingdom. On a fait la page juste à côté de celle qu'on avait faite. Donc le petit portrait. Alors pour celui-ci, j'ai utilisé mes aquarelles que j'avais achetées sur Vinted à Erika, je ne sais plus combien. Je sais plus, c'est pas des crépuscules, je sais plus ce que c'est. C'est des granuleuses, enfin un peu spécial. Vous avez deux couleurs. Elle fait violet et vert celle-ci. Je sais pas si vous allez le voir. Mais bon, je me suis rendu compte qu'elle s'était trompée sur un godet. J'ai un godet que j'ai en double en fait. Il manque des couleurs. Enfin. C'est des supervisions. Voilà, je suis en train de. Ça me revient. C'est des supervisions. Sinon. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'écris livre poli, il n'y a pas de livre. Je pense que j'ai sorti du poli pour les cheveux, je pense. Les fleurs au poli aussi. Jelly Roll Stardust, ça va être pour le papillon. Et il a aussi du. Ah,
Mod Podge. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, hein, donc je cherche un peu mes mots. Il y a du Mod Podge dans les ailes des papillons. J'ai mis du Glossy Accent dans le bijou. Et en dessous, nous avons un mélange de Midas et de Conrad des aquarelles d'Ava Calligraphie. La peau et aux luminances. J'ai mis quelques lignes de Jelly Roll Stardust dans les cheveux. Je sais pas. Il fait pas. Enfin, c'est gris aujourd'hui. Enfin, c'est... Voilà pour ce petit portrait. Merci Princesse pour ce duo. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Voilà. Deux pages de feu. Il faudra que je fasse celle-ci. Et celle-là. Voilà. Hop. Ensuite, je suis allée dans le fameux bloc silhouette que l'on ne voit jamais. Voilà, je voulais l'entamer et du coup il était en proposition sur le groupe Facebook où je fais un colo par mois voilà, en commun. Et j'ai sélectionné celui-ci pour enfin l'entamer et j'ai fait Winnie l'ourson. Alors, je savais pas trop comment. Voilà, parce que c'est que des répétitions de motifs en fait au fond et enfin je savais pas trop. Donc j'ai mis du Midas à foison, hein, Midas pour toute la silhouette. Ensuite derrière c'est de l'aquarelle, donc là c'est toujours les aquarelles de d'Ava Calligraphie. Donc j'ai le Marguerite, je crois que c'est celui-là Marguerite, Musetis pour le bleu. Après j'ai encore de l'aquarelle dans les fleurs le rouge, mais ça c'est celle qui vient de Vinted, normalement c'est la supervision, mais vu que là c'est un tout petit, on voit peut-être sur l'autre qu'elle fait un peu plus orangée, normalement elle fait rouge, jaune. Sinon j'ai mis du stylo gel, des pentels hybrides, on voit dans les papillons, des stickles et des luminances, voilà. Et là, je pense que c'est du Mod Podge. Non, c'est du Stickles. Ah oui, Stickles. Stickles, il y a du Jelly Roll là. Ouais. Ça fait un moment que je l'ai fait celui-ci, du coup. Voilà, le premier dans le bloc silhouette. Je pense que je ferai les autres différemment. Je ferai peut-être un aplat, enfin, un fond assez flou. Avec une seule couleur peut-être et faire la silhouette en noir ou juste la couleur qui représente bien le personnage, je sais pas trop. Mais oui, il n'est pas évident à appréhender celui-ci. Bon, ça change. Ensuite, j'ai fait un petit marque-page dans le mini portrait. Donc Dingo. Donc là en fond, on va avoir les aquarelles d'Ava. C'est Conrad et Irène pour le violet. Sinon pour Dingo c'est les combos d'Oana. Voilà. Et un petit peu de Midas hein, avec le dotting tool. Et du... Je pense que c'est le Jelly Roll blanc que j'ai mis ou le Posca, je sais pas trop. Sur le bord. Enfin bon, voilà. Et pareil, j'ai mis... Oui, c'est du Posca noir le tour parce qu'il n'était pas tout noir. Ouais. Voilà pour mon petit marque-page Dingo. Ensuite, j'en ai fait un autre, mais celui-ci, c'est dans le marque-page Babies. Je ne sais pas lequel des personnages c'est. Je ne sais même pas si c'est la bonne couleur. De toute façon, je ne sais pas trop les différencier, Riri, Fifi, Loulou, hein, perso. Donc, voilà. Et j'ai mis les crayons d'action. C'est ceux-là, là, les paint markers. Je ne sais jamais où les utiliser parce qu'ils traversent. Voilà. Bon, là, ça a été. Mais voilà. Mais c'est masse paillettes, quoi.
Voilà, j'ai utilisé ça ici. Et peut-être que le noir, c'est celui d'Action, mais le crayon, le stylo gel. Et sinon, bah pour... j'ai pas noté celui-là. Non, je n'ai pas noté avec quoi je l'ai fait. Quel crayon, je sais pas. Je pense que c'est Prisma. Je sais pas. Franchement, je sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Un doute de fait. Ensuite, je suis allée dans le Girl Power. Et je l'ai entamé. Celui-ci, on me l'avait offert. Et qui sait, je ne sais plus. C'est ma petite Millie qui me l'avait offert, celui-ci. Des bisous, Millie, si tu passes par là. Alors, j'ai fait Raya avec les Brut Funner Square. Ouais, Brut Funner Square, qui est un 1, 2, 3 prismas pour la peau et quelques hobos. Voilà. Et les hobos, voilà, je les utilise vraiment pour les mystères, ils fondent à une vitesse. Voilà. Donc c'est pas une gamme que je rachèterai. Hein. Voilà ma petite Raya. Et autour, bah, je mets du washi. Voilà. Ensuite, j'ai fait un autre mystère dans le Mickey and Friends. Donc pareil, je l'ai entamé aussi celui-ci du coup et j'ai fait mini. C'est quoi ce trait là? Je sais pas si vous le voyez. Non, vous voyez pas. J'ai un trait. Hein. Je suis embêtée avec ma gomme Tihou. Je sais pas si je me suis trompée de pile. Si c'est pas la bonne taille, mais elle marche un coup. Voilà. Là elle marche. Mais c'est pas. Et voilà. Et là elle veut plus. Donc je sais pas. Si je me suis trompée de format de pile ou quoi, si c'est pas dans le bon sens, je sais pas. Je n'en sais rien. Voilà, donc je sais pas ce que je vais faire de cette gomme. Si je vais essayer avec d'autres piles plus larges. Ouais, elle veut pas. Je pense pas qu'elles soient mortes, les piles, je les ai cherchées. Elles ont pas fait. Voilà, ça veut pas. Voilà. Problème existentiel d'une colorieuse. Je sais pas ce que c'est que ce trait. Du coup, j'ai pas fait le tour encore de celui-là. Voilà ma petite mini. Alors, elle est faite entièrement au boss. Voilà. Et j'ai fait les contours, quelques contours au Artistro. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai entamé beaucoup de livres ces derniers temps. Apple. Pas trop comment ça se dit. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci avec du washi tape pour le sol. J'ai mis du washi. J'ai mis du washi là. J'ai utilisé l'aquamarqueur aquarellé. L'aquarelle d'Ava Calligraphy, le marguerite pour le fond. Sinon, c'est du Prisma. Voilà. Et c'est du papier aquarelle, mais vous voyez, ça blush de ouf. Mon papier est tout, tout blush. Plein de petites particules, ça se détache. Alors que c'est censé être du papier aquarelle. Donc, je sais pas. Parce que oui, il est très, très cartonné, très. Je sais pas. Donc avec le crayon ça laisse, enfin faut bien blender, mais bon. J'ai bien aimé la faire, je me suis pas trop pris la tête dessus. Avec les aquamarqueurs ça va relativement vite. Il n'y a pas de...
de Verseau. Enfin, je sais plus. Enfin, bon, bref. Il y a que. Voilà, je suis pas embêtée par l'arrière, donc c'est bon. Mais ouais, contente de l'avoir entamé celui-ci. Tac. Ensuite, j'ai entamé. Encore un. J'ai entamé mon bloc magie. Pour un colo commun Facebook, ça c'est celui du mois d'août du coup, j'en fais un par mois, donc j'ai fait Buzz. Alors là j'ai utilisé les prismas avec le combo d'Oana, si je ne m'abuse, je pense, je ne sais plus, non j'ai peut-être demandé le combo à Taz. Pareil, donc du coup j'ai mis l'étoile arrière, j'ai mis du Posca noir et du Midas par dessus pour que ça ressorte un peu. J'ai voulu mettre du Glossy Accent sur la partie où il a sa visière là, mais ça a fait ressortir toute sa capuche en rose du coup. Il était violet comme ça, hein, voilà, il était violet comme ça, il est devenu rose. Enfin bon, bref. Il y a du Jelly Roll Stardust, il y a de... Ça j'ai fait avec quoi? Je l'ai pas noté, non, je l'ai pas noté. J'ai fait une base d'aquamarqueur. Hein, oui, j'ai fait une base d'aquamarqueur, le fond bah, c'est du crayon. Mais j'ai tout estompé à l'essence sans odeur. Il y a pas mal de Midas, hein. Du Jelly Roll blanc pour les cristaux et voilà. Voilà mon petit base qui entame ce livre. Enfin, hein, je me souviens, ma soeur, achète-le, achète-le, il est bien. Ouais. Je suis sûre qu'elle n'a toujours pas commencé non plus. Ensuite, je suis allée dans le World Within World et j'ai fait la boule à neige en commun avec ma sœur. Donc là, j'ai utilisé les Derwentine Tents, les aquarelles d'Ava. Voilà, on voit qu'il y a du Déméter voilà, sur le fond. J'ai voulu faire un fond marbre. Je suis pas... Hein, j'ai eu du mal. Hein. Je pense que ça a un petit peu... Voilà, ça a traversé derrière. Malgré que ce soit... Ah si, c'est quoi ces plumes, ça? Bah oui, c'est de la merde. Oui, c'est plumes. J'ai essayé au début avec les encres actions et tout, mais c'était pas assez pigmenté pour moi. Donc voilà, j'ai tenté plusieurs choses. Voilà. Donc il y a les aquarelles d'Ava, donc il y a Déméter, il y a... Comment il s'appelle? Latika ou c'est Bertille? C'est Latika que j'ai dû mettre, je sais plus. Je pense que c'est Latika. Je sais plus ce que j'ai fait. Mais voilà, les aquarelles d'Ava, on y va. Le reste, c'est les polis. J'ai mis de la Pearl Glue Action voilà, sur les petits dots là. Voilà, ça c'est du Pearl Glue. Sinon, ah oui, j'ai utilisé les nouvelles. Les Silky, là, les crayons Silky d'Action. Et ça que j'ai mis en fond aussi. Pour récupérer un peu la cata. J'ai pris les Rainbow, les néons. Voilà, j'ai pris le rose. Je sais plus. Ouais, c'est celui-là qui a fondu un peu. Ouais, celui-là j'ai utilisé. J'ai mis du violet aussi. Ah ouais, j'ai mis du violet aussi. Donc voilà, je vais utiliser ça. Aquarelle. Et sinon, ouais, c'est du poly, du jelly roll et du intense. Ouais. Et le fond là c'est de l'aquamarqueur. Ouais. Voilà pour celui-ci. Ça faisait un moment que j'étais pas retournée dans celui-là. Enfin que j'étais pas retournée dans du Kirby tout court. Ça faisait un moment. Voilà, depuis mon fameux dragon là, qui m'avait un peu
Ouais. Donc voilà pour le Kirby. Ensuite, j'ai terminé j'ai fait un Mario Labudec. Les petites mermaides. Donc la petite mermaid et son hippocampe. Où là j'ai voilà, utilisé les polis. Aquarelle d'Ava en fond. Là c'est Céleste. Du jelly roll blanc pour faire les petites bouboules. Les petites bouboules. Là, du Midas, hein, voilà, parce que Midas c'est la vie. Là. Voilà. Et du Stickles dans son petit haut. Voilà. Et j'ai même mis du Midas dans ses yeux. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Il y a du Artistro aussi, j'ai contouré un peu quelques parties. Mais voilà, Artistro, c'est compliqué. Ensuite, j'ai été dans mon petit Mickey and Friends, donc c'est le deuxième colo que je fais dedans. Et j'ai fait la petite Daisy. Alors, là, j'ai encore utilisé les Silky d'Action. Donc là, je suis venue mettre un petit peu de vert. Prisma pour le petit personnage. Et des Pentel hybrides pour les petits cœurs. Donc on a le rose qui change en vert. Et puis on a le violet avec du rose dedans. Hop, voilà. Rapide, voilà. Et je me dis que oui, il faudra que j'y retourne plus souvent. D'ailleurs, là, du coup, il faudra que je fasse ces deux là pour que ça fasse bien, quoi. Voilà. Ensuite, c'est le dernier, voilà, que j'ai dit. Bah, je l'ai terminé hier, celui-ci. C'est mon mystère le plus avancé, celui-là, mais c'est celui par quoi j'ai commencé en fait. Et du coup, parce que les premiers ils sont moches. Ça date de 2016. Celui-là, 2016. Celui-là, je l'avais commencé en 2016, je l'ai fini en 2019, celui-là. Vous voyez, j'ai eu une longue pause colo. Mais voilà, c'était du feutre, c'était très moche. Plein de traces. Ouais. Le premier au crayon. Donc... j'ai fait Merlin Enchanteur, Au Boss, Artistro Blanc, et puis c'est tout. Si j'ai utilisé le crayon, non j'ai remis du Artistro par dessus je crois, Silver, je crois, enfin bon bref, je sais pas trop. J'ai taillé mes gris, mais pff, je faisais que ça, les rouges aussi, enfin voilà, les crayons... Au Boss, je voilà, pour du mystère, mais vraiment pour autre chose. Voilà. Donc pareil, j'ai toujours pas détouré non plus. Je sais pas ce que je mettrais, du washi ou... Oh là là, la feuille elle a complètement vous voyez, complètement déteinte. Loul, ça va être sympathique pour faire la page de derrière. Ça va être cool. Ah punaise. Et je sais même pas si ça va s'effacer ça, mais... si ça s'efface. Bah je vais m'amuser, hein. Voilà. On va lui piquer la gomme de... je vais lui piquer la gomme de mon fils. Mais c'est sympa. Voilà. Puis oui, dans celui-là, du coup, bah je le fais dans l'ordre, donc je sais pas. J'ai pas tenu. Si. J'en ai autant de fait. Ouais, ouais, je continue de le mettre à jour, mais voilà. Donc voilà pour mes colos terminés du mois. Je vais vous montrer mon encours. Enfin, j'en ai d'autres. Hein. Il y a toujours le Rita Bergman que je n'ai toujours pas fini, hein, comme vous pouvez remarquer. Et le Clara Markova. Voilà. Il faudrait que je m'y mette. Ça me fera deux colos de plus pour août. Mais... donc là j'ai commencé celui-ci hier soir, voilà, dans le bloc Summertime. Voilà, j'entame encore un nouveau bloc.
Il était temps en même temps. Donc là, c'est uniquement au néocolore pour l'instant. Voilà. J'ai fait ça hier soir devant L'amour est dans le pré. Voilà. Avec du jelly roll blanc. Voilà. Voilà pour l'instant ce qu'il donne. Donc voilà pour mes colos terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve normalement. Je vais reprendre le rythme normal des publications. Je vais essayer. Mes horaires n'étant toujours pas fixes, voilà, c'est un peu le bazar là avec les départs en vacances des collègues. Donc je sais pas trop si ça va revenir normal ou pas. J'espère. J'essaye de, voilà, de vous publier une vidéo voilà, tous les dimanches. Là, dimanche dernier, j'étais un peu en retard. Je m'y suis mis à la dernière minute pour la montée, en fait. Voilà, j'avais pas eu le temps de la semaine, ou trop fatiguée pour le faire, ou pas envie, hein, aussi, on va pas se le cacher. Je préférais écolo, dès que j'avais un peu de temps. Donc, à voir si, avec la reprise de l'école, là, la petite a repris la crèche ce matin. Liam est au centre, mais c'est son dernier jour, et voilà, après, elle va aller chez mamie, le reste de la semaine. Ça va être compliqué ça aussi, mais j'espère reprendre le rythme des vidéos normal. On va voir si j'arrive à m'y tenir, et il faudrait que j'arrive vraiment à poster sur Instagram. Je n'y arrive pas, en plus il fait un temps pas terrible, alors pour avoir une belle photo, voilà. Enfin bon, bref, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bonne rentrée à vos petits loulous, et plein de bisous, ciao.